je vis que les morts qui furent autrefois jetés ou incinérés, et ceux qui moururent dans les mers et océans revint plutôt à la vie par un passage secret. Par un passage secret du maudit Marquedi dans ces jours de mort. Il y a point. Soudain, je vis les morts, les grands, eux les petits. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, d'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12, on vous dit, non, il y avait un grand trône, un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, voilà, le ciel, la terre s'enfuit devant sa face, il ne fut plus trouver de place pour eux. On a vu les grands et les petits qui se tenaient debout. Et quand les témoins de Jéhovah vont dessiner, quand d'autres religions vont représenter cela, on va voir des gens qui portent des habits, d'autres ont porté des pantalons, d'autres portent des jeans, d'autres ont les chaussures en cuir, ils passent au jugement. Non, parce qu'eux se limitent dans la chair. La vie ne s'arrête pas dans la chair. Il n'y a pas que la dimension physique. Il y a trois dimensions. Il y a trois plans. Il y a le spirituel, l'astral et le physique. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi. Donc, Doubisset va pénétrer cela. Il va voir qu'au jour du jugement, il va voir des grands et des petits. Il va voir plusieurs nations. Quand on dit plusieurs nations. Mais vous allez voir dans les descriptions la multitude de personnes que Daniel, c'est-à-dire, n'est pas Daniel, que Doubisset, donc Enoch, avait vu. Et vous voyez que quand on dit qu'il a vu des grands et des petits qui se tenaient devant le trône, même dans les Bibles actuelles classiques, il n'y avait aucun noir dedans. C'est ce qu'on connaît. Il n'y avait aucun noir qui se tenait à ce jugement. C'est pour ça que quand on parle de l'enfer de Dante, on ne dessine pas les noirs dedans. On ne dessine pas les noirs dans l'enfer de Dante. Donc, quand les gens viennent dessiner ou parler des choses qui les dépassent, mieux vaudrait pour eux qu'ils restent tranquilles. Donc, je répète ici, dans les Bibles actuelles classiques, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12, où on parle du grand trône, le jugement, tout ça là, il y avait des gens, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, il n'y avait aucun noir parmi eux. C'était les autres races. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer ces choses. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi lors de la mort tout simplement, des non-noirs des autres races, l'empreinte génétique des anges déchus reste dans leur âme. Dans leurs âmes, vous allez comprendre pourquoi. Par rapport au jugement. C'est pour ça que Doubisset, il poursuit ici. Donc, je vis que les morts qui furent autrefois jetés ou incinérés et ceux qui moururent dans les mers et océans revinrent à la vie par un passage secret du mouvement qui dit ce jour de mort. Soudain, virgule, je vis les morts, les grands et les petits, il y a deux points. Les blancs et les sangs mêlés. Les blancs et les sangs mêlés. Il n'a vu aucun noir parmi eux. Maintenant, les gens pourront poser la question de savoir, mais je vous l'ai dit que ce jugement, le corps physique, ce n'est pas le corps physique, vu que le corps physique est déjà, voilà, a disparu. Est-ce que l'âme, comment on va faire la distinction entre l'âme d'un blanc d'un sang mêlé, c'est-à-dire des autres races, que tu puisses être pakistanais, ainsi de suite, comment on va faire? Mais c'est une question de faciès. Vu que tu peux être là physiquement, tu es là physiquement, là je suis là physiquement. Si je sors de mon corps actuellement, si mon âme sort de son corps, de ce corps physique, vous allez me voir, j'aurai un autre aspect, mais avec
les traits que j'ai là, physique. Donc, noir. Et l'esprit, ça va être pareil. Ouais, c'est ça qui échappe aux gens. Donc, Dubisset ici va voir que ceux qui passent au jour du jugement, c'est les autres races par rapport au jugement dernier. Même dans les Bibles chrétiennes classiques, dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12, c'était des autres races. Ce qu'on va appeler les peuples, les nations, ainsi de suite. Il n'y avait aucun noir parmi eux. Mais, on poursuit. Soudain, je vis les morts, les grands et les petits, deux points, les blancs et les sans mêlés, qui se tenaient devant les diopelés, les petits. Qui se tenaient devant les diopelés, les petits, c'est-à-dire trône, pouvoir suprême, sans que ceux-ci ne puissent les voir. Donc, on vous dit ici que les blancs et les sans mêlés étaient au jugement. Il y avait des trônes, des pouvoirs suprêmes qui étaient là. Eux, ils les voyaient, mais ceux-là savaient, les blancs et les sans mêlés, en gros, les autres races, ne pouvaient pas voir ces entités qui étaient là. Mais elle savait néanmoins qu'il y avait les entités là qui les jugeaient. Donc, c'est voir sans voir. Exactement comme si ta conscience te juge. Quand ta conscience entre te juger, parce que tu en te fais quelque chose qui n'est pas bien, mais est-ce que tu es en train de voir ta conscience? Tu ressens ta conscience. Tu ressens une oppression, quelque chose qui te juge. Et tu peux parler au-delà de ta conscience. Puisque dès que ta conscience te condamne, tu sens toi-même que tu ne peux pas essayer de négocier. Au même instant, les entités témoins issus du grand ordre des choses firent leur apparition, des livres furent ouverts. Donc, dans les Bibles actuelles classiques, quand on dit plutôt que les livres furent ouverts et un livre de vie fut ouvert. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Voilà. Là, c'est juste des images. Mais derrière ces images, ce sont des entités. C'est pour ça que dans la seule version, donc, Bible, Calatambale, dans la description de ces choses. Soudain, on vous apprend ici, au même moment, les entités témoins issues du grand temps des choses firent leur apparition, des livres furent ouverts. Donc, quand on dit que les livres furent ouverts, dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12, quand vous lisez, ces livres qui étaient ouverts, en gros, ce sont les entités témoins. C'est-à-dire que tout ce que vous faisiez dans votre existence, depuis votre naissance jusqu'à tout ce que... Tout ça, c'est enregistré. Il y a des entités qui observent cela. Qui sont des témoins. Ils observent. Ils voient, c'est enregistré. Et ce sont ces livres. Ça représente ces livres dans une sorte d'image. C'est ce qu'ils n'ont pas pu retransmettre ou bien retranscrire dans les Bibles actuelles classiques. Ils ont juste mis des livres. Donc, pour eux, dans leur tête, Dieu est là, il assis sur le trône, comme on lui a dit dans Ésaïe 6, dans les Bibles Dieu placé. Tout ce que les milliers et les milliards d'êtres vivants font, allez, Dieu prend un stylo, et il m'a écrit, ah, tu as fait ça l'autre jour. Ah, il écrit, virgule, point. Il écrit, livre de souvenirs, livre des souvenirs. Après le jugement dernier, allez, il y a actuellement, on passé à trop de monde, donc il y a beaucoup de livres. Allez, boum! Hé, toi, Mamadou, tu as fait ça là. Voici ton nom ici, là. Voici ce que tu faisais. Non, ça c'est dépassé ça. Là on entre dans la haute fréquence. Ces livres symbolisent tout simplement, c'est une image. Derrière ces livres-là, ce sont des entités. Donc, on poursuit ici.
Puis leur apparition, entre parenthèses, des livres fut ouvert. Et l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, fit aussi son apparition. Donc, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, si vous voulez comprendre, le livre de vie, c'est quoi? Le livre de vie, c'est une entité. Est-ce que vous comprenez? C'est Mundi Malongue. C'est Mundi Malongue. C'est le livre de vie, c'est une entité. C'est une entité qui t'initie et son initiation te permet de ne jamais mourir. C'est cela où Mouta te dit que Moto, parce qu'il avait changé, il avait chuté, il devait parler devant cette entité pour recevoir cette initiation de l'entité. On va vous faire croire que non, il y a un fruit. Non, c'est un fruit, un fruit qu'il ne faut pas qu'il ait le fruit. Il mange et puis ça te donne la vie. Mais non. Le fruit, là, c'est l'enseignement. Ce sont les métaphores. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des symboles. Parce qu'on donne des symboles, on donne des images aux ceux du visible, des images familières, pour qu'ils puissent comprendre. Mais réellement, des chercheurs sont des entités. Dès cet instant, je vis les morts, entre parenthèses, blancs et sans mêlée. Dès cet instant, je vis les morts, blancs et sans mêlée, être jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il y a point ici.